Bon, merci d'être là. Je vais commencer pour dire, les amis, parce que pour une fois, on est en petit comité par rapport aux autres matinales, aux manifestations que l'on fait, mais si vous êtes là, c'est soit parce que vous êtes un ami de BPI ou d'Extend, soit vous êtes un collaborateur des 16 ambassadeurs que nous avons emmenés à cette première manifestation. Aujourd'hui, on a voulu vous faire partager cette première restitution du CES de Las Vegas. C'est une manifestation qu'une année de plus on organise avec nos amis de BPI France, alors que je ne vois pas, je suis très perdu quand Pedro n'est pas là, mais il va arriver, avec Serge, Angelina, il y a Ménélé et Delphine que j'ai cru voir. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Bon, ah, merci. Il est où Pedro? Bon, d'accord. Bon. Bon, en tous les cas, notre métier chez Ex1AM et chez BPI, ça a été toujours d'accompagner les entrepreneurs du tourisme et de la restauration dans le développement de leur entreprise et leur business. Donc, lorsqu'on a eu l'occasion de s'embarquer et d'organiser en fait ce premier voyage pour les acteurs du tourisme et de l'hospitality au CES de Las Vegas, on s'est dit pourquoi, et puis au bout de quelques secondes avec Pedro, on s'est dit que on pouvait pas rater ce coche-là. Pour deux choses. La première, c'est d'abord le CES. Ça fait rêver tout le monde. Moi, je dois vous avouer, quand on m'en parlait du CES, j'avais le sentiment que c'était un peu comme si jamais je vivais en hibernation pendant 20 ans et je me réveillais et je faisais la tournée des boutiques Fnac et Darty. Non, le CES, c'est beaucoup plus que ça. C'est déjà un peu plus de 200 000 visiteurs, c'est 160 pays, enfin c'est un truc incroyable, si vous ne l'avez pas vu une fois, enfin en tous les cas ça doit se vivre. Ensuite, il y avait Las Vegas, vas-y Pedro, tu peux venir. Ensuite Las Vegas, là aussi je n'avais pas mesuré, mais c'est quand même la ville de l'hospitality par excellence. Chaque année, il y a quand même 40 millions de visiteurs qui viennent découvrir cette ville. On est quand même dans une ville avec 125 000 chambres quand on compare avec Paris où il y a 85 000 chambres. C'est pour vous donner un petit peu la dimension de cette ville. On a visité tous ensemble le Bellagio. Le Bellagio, on était avec le manager, c'est juste 5 000 chambres et 19 restaurants. Donc quand vous commencez à vous promener et vous commencez à parler de vos préoccupations, vous sentez quand même un petit peu tout petit. Voilà. Ça, c'était la raison pour laquelle on n'a pas voulu rater cette occasion d'organiser ce premier voyage à Las Vegas. Le deuxième, ça tourne aussi à travers de notre mission chez BPI et chez Ex1AM. C'est toujours d'accompagner ces entrepreneurs dans l'accélération, mais surtout de les faire monter en compétences. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers les matinales auxquelles vous avez la gentillesse de participer maintenant depuis 8 ans, aussi bien à Paris en Provence, aussi avec nos amis de BPI à travers l'accélérateur du tourisme qu'ils ont lancé avec la première promotion de cette année. Voilà. Donc maintenant, assez rapidement, je vais passer la parole à Vincent qui va vous faire partager avec nous effectivement toute cette restitution avec ces nouvelles tendances qu'on a pu découvrir au CES de Las Vegas. À très vite. Ah ouais, pardon, c'est lui. Il aime bien parler, mais en plus, c'est vrai que j'étais en retard. En fait, j'étais retenu sur un truc absolument passionnant qui s'appelle le comité des risques groupes juste à côté. Donc, on essaie de gérer le bilan de cette honorable institution. Donc, avant de passer la parole à Vincent, merci. Je sais que les troupes sont décimées et que tu as su prendre le relais de manière impromptue. Et on sait que le talent est au moins égal à la qualité de perles qu'on regrette tous. Hein. Pardon de le dire comme ça, Vincent, mais on est très content de t'avoir. Donc en deux mots, tu as tout dit, je crois, et je rajouterais juste que c'est le début d'une longue histoire. Je pense que tu as démarré comme ça en disant on l'a fait une fois, maintenant il faut qu'on sache le répéter. Tu as déjà le badge de l'année prochaine ? Ouais. Et je constate qu'avec un temps d'arrêt, tu as signalé que tu étais chez BPI France avec Ex1AM, mais tu as mis un temps d'arrêt. Donc ça veut vous dire combien on travaille ensemble de manière régulière sur nombre de sujets, qu'ils soient du financement, de l'investissement. On n'est pas là pour ça, mais ce qu'on a su construire au fur et à mesure des années, c'est une lecture, une culture, une envie, une atmosphère, un état d'esprit qui fait que finalement, quand on se dit en mode pourquoi pas, et si on faisait Vegas, eh bien on a fini par faire Vegas.
C'était pas évident parce qu'il fallait savoir traduire Vegas à un métier. Évidemment, on se dit le CES, c'est attractif. On va y voir des voitures qui volent, on va y voir des gens qui jouent au golf en plein milieu de la ville, on va voir des trucs assez extraordinaires. Mais en même temps, on prend une claque en début d'année sur l'énergie qu'on prend. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est quand même important d'avoir ce rendez-vous de début d'année où vous prenez le power des Américains, ce qu'ils font très bien. Deuxièmement, vous avez une scène technologique mondiale qu'il faut savoir traduire à l'oreille de vos métiers. Et vous êtes dans des métiers où la technologie n'est pas forcément spontanée au quotidien. Et pourtant, vous êtes dans l'humain, vous êtes dans la relation, vous êtes dans le service. Et pourtant, vous avez dans nombre de vos secteurs d'activité des percussions plus ou moins subies, plus ou moins voulues de la technologie. Et ça, on est allé le constater, on est allé le voir. Et ce qui est important, c'est que maintenant, les leaders d'opinion que vous allez voir ce soir, enfin, en tout cas ceux qui étaient les premiers, la sentinelle, qui ont découvert cette aventure, sachent traduire ce qu'ils ont vu, je pense que c'est ce que tu as dit, sachent partager ce qu'ils ont pris, retenu, et vous dire combien c'est important de s'inscrire dans une légitimité récurrente, d'y retourner, et maintenant d'ancrer ce qu'on a réussi à faire en 8 ans sur les matinales à travers ce type d'événement au CES. Voilà, je vous dis merci pour l'adhésion, c'était pas facile à vendre au départ, on a su le construire, les équipes ont bossé remarquablement bien, les deux maisons et les deux institutions, le moment était merveilleux, j'en resterai là, et je laisserai aux autres le soin de partager ce qu'on a pu vivre. Vincent, c'est pour toi. Merci beaucoup Pedro et Bertrand, merci pour votre confiance. On était effectivement très heureux d'accompagner la délégation. Vous avez pu observer que Perle n'est pas là, n'est-ce pas ? Voilà, donc j'essaierai tant que faire se peut de la remplacer, n'est-ce pas ? Voilà, donc le CES cette année, bon, c'était une très très belle édition. Il y avait plus de 4500 entreprises qui étaient présentées, 175 000 visiteurs, c'est quand même assez énorme, plus de 160 pays, donc c'est vraiment un endroit où le monde échange et pas mal de nouveaux aussi exposants. On le voit ici sur la carte. Alors c'est vrai qu'il y a eu une baisse de plus de 10 000 visiteurs à peu près par rapport à l'année dernière, fortement dû aux relations entre la Chine et les États-Unis. Il y avait moins d'exposants chinois, moins de visiteurs chinois aussi. Voilà. Mais sinon, c'était quand même une belle édition. Comme vous le savez, le CES, pour ceux qui y étaient, est organisé autour de trois univers, donc dans la ville, avec le parc des expos, un peu comme Porte de Versailles qui est Tech East, et toute la partie un peu start-up, scale-up, sur la partie Tech West. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'est justement cette partie dédiée à l'innovation, vraiment aux startups, qui s'appelle Eureka Park, où il y a plus de 42 pays qui étaient présents. Cette année, un gros push des Hollandais, il y avait aussi les Égyptiens, les Marocains, c'était les Russes, les Ukrainiens, et effectivement beaucoup de startups présentées. Alors, en ce qui concerne la délégation française, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je pense que vous aviez déjà lu des informations sur le CES et sur la présence française les années précédentes, on avait effectivement moins 30% de startups françaises qui étaient présentes. Et en même temps, c'est plutôt un bon signe. Pourquoi ? Parce que les boîtes qui étaient présentes, c'était des boîtes qui étaient beaucoup plus matures que les années précédentes et dans lesquelles des groupes comme les vôtres pouvaient engager des discussions pour des partenariats, on va dire, plus intéressants. Voilà, donc, et je l'évoquais il y a quelques instants, la tension entre la Chine et les États-Unis ont quand même impacté un petit peu le CES. Voilà. Alors, à noter, c'est vrai que Apple, qui était le grand absent depuis un grand nombre d'années, était présent cette année. L'année dernière, ils avaient acheté une immense publicité au milieu de Las Vegas sur la baseline, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et c'était ce qu'il y a dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Bon, là, avec ce qui s'est passé à Paris, évidemment, tout le monde rigole depuis. Mais il y a quand même une présence de plus en plus marquée d'Apple. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a aussi au CES, tous les ans, des awards. Et ce qui est au-delà des vainqueurs des awards, ce qui est intéressant, c'est les catégories. Parce que les catégories définissent en gros les grandes tendances de l'innovation numérique sur lesquelles beaucoup de startups se positionnent. Donc vous en voyez naître parfois et vous en voyez aussi disparaître. Je donne un exemple, l'impression 3D, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, est une tendance qui tend à disparaître. Le nombre d'exposants aussi, et du coup, bah, en termes d'innovation, il n'y avait pas vraiment d'award dédié à la 3D cette année. Mais il y a d'autres catégories qui naissent, bien évidemment. On a retenu pour vous aujourd'hui quatre grandes tendances. Donc d'abord, tech to watch, donc vraiment les techs à suivre. Tout ce qui est lié au travel et à l'hospitalité. Tout ce qui est lié à la mobilité. Et enfin, tout ce qui est lié à la connexion des lieux, les maisons, les véhicules et autres. Alors, on va démarrer par tech to watch. La première partie, c'est vraiment les nouvelles interactions. Les nouvelles interactions,
elles sont proposées d'abord autour de la vision, avec un grand nombre de lunettes qui ont été présentées pour permettre une vision souvent augmentée. Donc la différence entre la VR et la AR, c'est-à-dire que vous allez avoir soit en VR, vous avez donc vous êtes en immersion complète sans la capacité de voir le monde réel, et quand vous êtes en AR, vous avez un écran qui permet de voir devant vous et en même temps d'avoir en surimpression des éléments graphiques. Voilà, donc il y a beaucoup de lunettes qui ont été présentées, j'en parlerai dans deux minutes. La deuxième chose, c'est le développement des écrans souples. Donc les écrans souples, ils se retrouvent, comme vous le voyez, dans des enceintes de ce type, mais ils vont se retrouver à terme dans des vêtements aussi, la capacité d'interagir avec des vêtements connectés, évidemment dans les téléphones qu'on a vus qui sont pliables. On est au tout début de cette ère où ce qu'on a connu comme rigide et fixe va devenir beaucoup plus souple et interfaçable avec des choses qui n'étaient pas prévues. La troisième grande tendance, c'était tout ce qui est lié aux émotions et aux sensations. Voilà, donc j'en parlerai dans quelques instants. Alors, par rapport aux années précédentes, et c'est important pour des acteurs comme vous, c'est le développement des services autour de la voix. Il y a d'abord eu des annonces d'enceintes connectées avec les commandes vocales les années précédentes, et cette année, il y avait un grand nombre de services qui étaient disponibles autour de ces univers de la voix, et on sait que dans le tourisme, il y a pas mal de requêtes qui se font, et la voix est un acteur absolument important à intégrer, un élément important qui correspond de plus en plus à des requêtes de vos futurs clients. Alors, une petite blague, ça c'est une pub suédoise. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. On peut protein augmenter shake. Un peu. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. Four. Six. Six. Child of 16. 16. Voilà, je pense que vous avez compris. La commande vocale, il y a beaucoup de travail qui est fait dessus, mais elle n'est pas encore complètement au point. Mais il y a quand même énormément d'apps qui sont disponibles et c'est un secteur sur lequel il faut investir. Alors, au Japon, et c'était présenté au CES cette année, un mix entre un hologramme et l'AI pour lutter contre la solitude. Donc ça aussi, c'est ce qu'on voit beaucoup se développer, avec des interactions entre à la fois un homme et une interaction artificielle AI avec une représentation féminine. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, ça, il y en a qui ont eu l'occasion de la tester dans le cadre de la délégation, c'est les lunettes AR qui permettent vraiment de voir devant vous un monde virtuel qui est vraiment en superposition de l'environnement qui est devant vous. Donc ça peut être évidemment intégré à des expériences que vous pourriez proposer par vous-même, et ça peut être aussi en présélection d'un achat ou d'une expérience avant le voyage, éventuellement quelque chose qui pourrait être intéressant d'intégrer. Mais Nreal, c'était quand même une des boîtes qu'on a suivies de près. Une autre annonce intéressante est Samsung, qui a développé un clavier sans clavier. Il repère la position des doigts et du coup, il vous permet de directement taper sur votre téléphone en suivant le mouvement des doigts n'importe comment sur une table. Le test est assez impressionnant. Voilà, alors je l'évoquais tout à l'heure, dans les nouvelles technologies qui sont apparues cette année, qui étaient un peu en test les années précédentes, c'est tout ce qui est lié à l'haptique. Donc l'haptique, en gros, c'est une onde que vous allez ressentir, bah, par exemple au niveau des mains, et qui permet d'avoir le sentiment de toucher quelque chose. Donc par exemple, vous allez être devant une enceinte qui diffuse une onde et vous allez avoir le sentiment par exemple de toucher un tissu ou le sentiment de toucher une, par exemple une vague, ou alors, si vous jouez dans un jeu vidéo ou autre, vous allez pouvoir modifier le parcours d'un personnage uniquement en touchant des textures virtuelles. Donc évidemment, il faut le vivre pour le comprendre, c'est difficile ceux qui n'ont pas fait de l'haptique, mais il y avait pas mal de startups cette année qui étaient justement sur ces technologies qui permettent de travailler l'expérience haptique. Le deuxième point, c'était tout ce qui est lié au développement durable, effectivement, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Zero Mass Water, qui était cette année une des boîtes qui a relevé le plus d'attention, la possibilité pour des acteurs comme vous de mettre sur le toit de votre restaurant ou de votre hôtel des capteurs qui vont
en gros récupérer l'humidité ambiante et vont transformer en eau potable. Donc par exemple en Australie, un restaurant a mis ça en place sur son toit et sur des lieux reculés, ils vont pouvoir servir de l'eau potable aux clients sans forcément utiliser de l'eau minérale et diminuer l'impact sur la planète. Intéressant. Voilà, d'autres cas intéressants. Il ne faut pas oublier qu'au CES, vous avez plus de 7000 journalistes du monde entier qui viennent couvrir les sujets de l'innovation. Et donc, il y a des boîtes qui, à la base, n'avaient rien à voir avec l'électronique, qui viennent de plus en plus présenter leurs innovations qui, effectivement, sont quand même très, très fortes. Donc là, Impossible Food, qui est un peu la star actuellement des steaks végétaux, voilà, à base de protéines de légumes, ils arrivent à reproduire le goût de la viande. Vas-y. Ouais. En tout cas, ils préparent leur IPO. Moi, j'ai assisté au lancement de Impossible Pork. Ils ont lancé le porc lors du CES avec des dumplings qui étaient en test à goûter. C'était franchement assez intéressant. Le concurrent, c'est Beyond Meat, pour info, pour ceux qui suivent ces sujets. Donc Beyond Meat et Impossible Food. Autre cas possible, produire de la viande sans le troupeau. Donc ça, c'est des steaks qui sont produits in vitro à Amsterdam, enfin en Hollande, et qui l'idée, c'est que demain, on pourra produire des steaks uniquement par des cellules animales, sans le troupeau, donc pour faire baisser l'impact environnemental et le coût de production. Pour l'instant, clairement, c'est cher, mais ils ont un objectif à 3 ans de pouvoir sortir des steaks à des prix accessibles. Voilà, Meatable, une boîte à suivre. Autre cas intéressant, la ruche connectée. On sait que les abeilles ont un rôle très important dans la diversité. Donc là, ils ont mis en place des ruches qui permettent de suivre clairement, de manière absolument connectée, la vie de la ruche et d'optimiser la production de miel et, on va dire, la vie des abeilles. Dans la partie travel et hospitality, ce qu'on retient, c'est clairement, voilà, il y a 46% des voyageurs qui sont prêts à utiliser une application pour réserver plus rapidement les activités et 44% qui l'utilisent pour avoir un maximum d'informations. Donc vraiment, le compagnon voyage et le mobile, ça je pense que vous en avez tous conscience, et du coup, il y a pas mal d'innovations qui arrivent. Donc on prend l'exemple de Delta, encore un exemple ici d'une boîte qui n'a rien à voir avec le CES, mais qui a décidé de venir au CES pour faire une annonce devant les 7000 journalistes qui étaient présents. Et donc, c'est plutôt malin de leur part. Donc, eux, évidemment, ils considèrent que l'expérience ultime, c'est le vol. Et dans ce contexte, ils ont mis en place une application qui intègre évidemment votre billet d'avion et qui va détecter, en fonction de votre localisation, à quel moment précis vous devez prendre votre Uber, taxi ou autre pour aller à l'aéroport, ce qui permet de ne pas engorger les aéroports et de bénéficier d'une meilleure expérience. Donc ça, ils ont fait un accord avec Lyft, qui est l'équivalent d'Uber, et ça déclenche automatiquement une commande. Deuxième chose, vous arrivez à l'aéroport, dans le hangar, dans le hall, excusez-moi, Delta, et là, vous pouvez, depuis l'application, déclencher les films que vous pourriez normalement voir que quand vous êtes dans l'avion, encore une fois, pour vous faire patienter. Et une fois que vous êtes à l'arrivée, vous avez une alerte directement avec l'emplacement du tapis et le moyen d'y arriver le plus vite possible. Donc vraiment un travail sur l'avant, pendant, après qui est très intéressant. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'a pas ça depuis hyper longtemps? Et bah, voilà, ils le font, donc c'est des choses qu'il faudra suivre. Voilà, un peu de personnalisation, bon, toujours des boîtes un peu amusantes, comme voilà, la valise collectée qui permet de vous balader dans l'aéroport et en même temps, ça recharge votre iPhone, très bien. Sur la partie suivante, il y a pas mal de moyens aussi d'améliorer l'exploration des destinations. Et c'est très intéressant de voir la manière avec laquelle Uber se positionne non plus uniquement comme un acteur autour des VTC, mais sur le transport de manière globale. Et du coup, ils intègrent dans certaines villes les tickets de bus comme un service intégré. Donc l'idée, c'est que Uber veut se positionner comme ce qu'on appelle un acteur du mass, mobilité de service, c'est-à-dire avec une seule application, donc eux, c'est ce qu'ils aimeraient, vous allez pouvoir vous balader dans la ville en prenant le métro que vous allez payer directement dans l'application, le bus, la trottinette et ainsi de suite. Okay, donc ça, c'est quand même intéressant à suivre comme évolution. Voilà, d'autres acteurs, là, c'est effectivement la géolocalisation des meilleures expériences numériques, donc c'est une start-up qu'on suit, Escapade. Et puis ça, c'est un agent que vous allez intégrer sur votre site internet et qui va suivre la navigation sur votre site d'hôtel, et au bout de 2 mois il va vous faire des recommandations
sur en gros comment optimiser votre site et surtout optimiser en direct les informations qui concernent le voyageur pour essayer de driver plus d'audience. Concernant l'expérience hébergement, on a retenu quelques éléments. Le fait par exemple que Google, qui avait quand même un très grand stand cette année, a présenté du coup un translateur qui permet à l'accueil de gérer n'importe quelle langue. Parfois vous avez des clients, des touristes qui ne parlent pas la langue locale. Donc là, en mettant ça sur le desk, vous allez pouvoir interagir dans n'importe quelle langue avec le client. Bon, ça vaut 100 euros, ce n'est pas incroyable. Et puis aussi, le demande de plus en plus d'expériences uniques. 73% des voyageurs cherchent vraiment cette expérience unique. Et il y a plus de 200% effectivement qui cherchent aussi des destinations surprises. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est une tendance qu'il n'y avait pas les années précédentes. Comme si on faisait tourner une roulette et on dit, bah, tiens, on va partir là. Et c'est l'ordinateur qui l'a proposé. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Alors Vivoca, hein, une boîte qu'on suit qui interviendra, enfin en tout cas, il y a un témoignage intéressant sur la commande vocale sans faire appel justement au GAFA, la donnée est protégée et ça permet d'avoir des interactions dans sa chambre avec les services de l'hôtel et avec les services de la chambre. Bon, ça, c'est pour rigoler. Bicolor est une boîte quand même très sérieuse. Donc, c'est la douche enceinte. Donc, au moment de prendre votre douche, vous allez pouvoir mettre la musique directement diffusée dans la douche par, en gros, le pommeau de douche. Donc, c'est une des startups, enfin, une des boîtes qui a reçu pas mal d'awards. C'était assez rigolo. Sur la mobilité, donc, c'est vrai que le salon du CES, quelque part, s'est transformé un peu en salon de l'auto. C'est impressionnant de voir tous ces constructeurs présents pour présenter des innovations chaque année autour de la voiture connectée, entre autres, des voitures que vous ne connaissez pas forcément. Je vais vous en parler dans quelques instants. L'année dernière, tout le monde était sur « ma voiture est connectée à Alexa, elle fait de la voix » parce que tout le monde était en retard. Cette année, on était sur d'autres thématiques. Donc, je commencerai par cette conférence de presse à laquelle j'ai eu l'opportunité d'assister, avec le président de Mercedes. Donc le président de Mercedes, il vient et il dit on est ici West Coast, la plupart d'entre vous, vous recherchez à manger tout ce qui est organic food. Donc les gens acquiescent plutôt jusque-là. Et il dit un jour, vous rechercherez une voiture organique. Voilà. Alors là, j'avoue qu'on était un peu perdus. Et on voit le logo Avatar. Donc on en était encore plus perdu, anyway. Et là, il dit, voilà, moi, je pense que le futur de l'automobile, c'est des voitures qui ressembleront à des organismes un peu humains, comme une matière vivante. Et donc, il a fait appel à James Cameron, qui, du coup, est arrivé sur scène, pour présenter cette voiture qui se veut être le futur de l'automobile. Donc, 30% recyclé, moins 30% d'eau, électrique, bien sûr, avec un tableau de bord gigantesque. Et à l'arrière de la voiture, des sortes d'alvéoles qui permettent comme certaines respirations de la voiture. Vous voyez ? Voilà. Donc évidemment, c'est une vision futuriste et c'était la volonté cette année de Mercedes de nous emmener dans ce qu'il prévoit pour 2040. Voilà. Alors, la mobilité, c'est quatre grandes thématiques pour ceux qui s'y intéressent. Tout ce qui est lié au multimodal, tout ce qui est lié à la communication entre les objets de la ville. Donc, c'est une norme qui s'appelle V2X, qui permet aux voitures, aux feux, aux panneaux d'utilisation de communiquer entre eux. C'est ce qui arrive aussi, et la 5G va le renforcer. Tout ce qui est lié au self-driving et évidemment l'électrification. C'est les quatre grands enjeux de la mobilité. Alors, comme vous le savez pour certains, il y a cinq grands niveaux d'autonomie pour la voiture. Okay. Donc ça c'est important parce que c'est des choses que vous allez vraiment voir de plus en plus dans les médias qui correspond à la classification qui a été acceptée mondialement en termes d'autonomie. Donc pour la plupart d'entre nous, le degré zéro c'est notre voiture, elle n'a aucune autonomie. L'assistance du conducteur c'est niveau 1, l'assistance partielle, donc l'aide pour se garer et éventuellement préparer et organiser la voiture c'est niveau 3. Là où tout le monde travaille actuellement, c'est le niveau 4. Et le niveau... c'est le niveau 3. Le niveau 4, la voiture est totalement autonome, mais vous avez encore un volant et des pédales pour interagir. Et le niveau 5, vous n'avez plus de pédales et vous n'avez plus de volant. La voiture est complètement autonome. Vous lui indiquez la direction et elle se rend directement là où vous l'avez demandé. Vous n'avez aucune capacité d'interagir avec un volant. Voilà. Donc ça, le niveau 5, c'est la voiture Waymo, la voiture Google pour ceux qui l'ont déjà vue. Certains disent qu'elle n'y arrivera jamais,
parce que les assurances ne pourront jamais valider. Et en même temps, nous, on pense que sur des circuits fermés, des campus américains, des campus entreprises, on pense qu'il y a la capacité pour que ces voitures puissent quand même exister. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura vraiment zéro personne à l'intérieur pour éventuellement stopper la voiture. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à ces questions. Alors, en attendant ce futur, il y a trois grandes innovations qui sont déjà présentes dans les voitures et qui vont arriver dans vos voitures, dans un circuit et dans un délai très court. Tout ce qui est infodivertissement, j'en parlerai dans quelques instants, les niveaux de sécurité qui vont être développés et enfin, vous l'avez bien compris, l'aide à la conduite. Donc, la première chose, c'est la connectivité. La connectivité dans la voiture, tout le monde travaille dessus. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez ici une projection d'un intérieur de voiture connectée avec beaucoup d'entertainment à bord. Et la nouveauté par rapport aux années précédentes, c'était la signature justement de constructeurs auto cette année avec des grands players du divertissement américain comme NBC pour embarquer les flux de séries et les flux de films directement à l'intérieur de la voiture. Donc ils sont déjà en train de faire des partenariats entertainment. Et pour des acteurs comme vous, sachant que la voiture va être de plus en plus autonome, ça veut dire qu'il y aura la possibilité de produire des contenus qui seront, quand la personne mettra à votre destination, seront directement diffusés dans la voiture pour préparer son arrivée au lieu de destination. Donc c'est pour ça que Renault bosse dessus aussi et que beaucoup d'acteurs du travel bossent sur ces contenus qui seront diffusés directement dans ces voitures autonomes dans lesquelles le conducteur aura beaucoup plus de temps. Sur la droite, juste pour votre information, il y a ce qui s'appelle c'est une expérience de continuité avec Microsoft qui a aussi signé beaucoup de constructeurs et qui a signé Faurecia. Donc vous jouez à la Xbox, enfin votre enfant joue à la Xbox à la maison, il met pause et en arrivant dans la voiture, vous avez une caméra qui reconnaît son visage et qui lui permet de continuer son jeu directement dans la voiture. Ça c'est un. Le jeu, bon, ça fait pas mal de bruit et du coup vous avez une enceinte directionnelle qui fait qu'il n'y a que le passager qui entend le son qui est émis par l'enceinte. Okay ? Dernière innovation, je vous la donne parce que c'est juste pour vous dire ce qui arrive, c'est en fait, beaucoup de constructeurs vont vouloir vous transformer en abonné. Pas en abonné du véhicule, en abonné d'une expérience dans le véhicule. Dans ce contexte, Faurecia va installer dans les nouveaux modèles de voitures des enceintes qui vont réduire le bruit extérieur, comme il y a sur les AirPods et compagnie. Et c'est ça qui est magique, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils ont considéré qu'ils n'allaient pas vous faire payer l'installation de ces enceintes, ils vont vous l'installer, pas forcément sans vous le dire, mais sans vous faire payer, et ils parient que dans un futur proche, vous allez vous abonner à ce service sur des trajets pour avoir une coupure de son extérieur. Donc c'est vraiment des nouveaux business models où des équipementiers auto vont se transformer directement en direct consumers en vous vendant des services. Ça c'est vraiment une innovation mondiale qui va apparaître. Alors là c'est encore impressionnant, c'est ce que j'évoquais, une voiture qui s'appelle Byton, conçue depuis 3 ans au hub, qui a un écran géant de 48 pouces qui sert de tableau de bord. Il y a plus de 60 000 commandes qui ont été déjà réservées. Elle est construite entre des Allemands, des Américains et des Chinois, elle est produite en Chine. Elle est 2 fois moins chère qu'une Tesla. Voilà. Donc ça serait intéressant à suivre pour ceux qui iront à Shanghai quand ça sera un peu plus calme, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à visiter le Byton Store, qui ressemble un peu à un Tesla Store, et la voiture est censée débarquer en octobre. Okay ? Voilà. Alors évidemment, qui dit voiture électrique dit nouveau maillage, et au CES, on a eu l'occasion aussi d'échanger avec EVBox, qui va connecter de plus en plus de villes avec ses prises électriques, et qui vont les recharger avec des panneaux solaires. Donc là, on est sur vraiment un cercle vertueux pour le futur de la mobilité. Point numéro 4, c'est la connexion. Comme vous le savez, cette année, on est dans l'année du lancement de la 5G en Europe, donc beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de puissance. On est aussi dans une période où les objets connectés se développent fortement, à l'intérieur du foyer, au bureau, à l'usine, en mobilité, comme on l'a vu. Donc ça, c'est à prendre en compte, et la 5G arrive au bon moment. Et donc, on va avoir des villes de plus en plus intelligentes. Nous, au Hub, on travaille sur le sujet des Smart Cities aussi, et à l'horizon, effectivement, 2030, il y aura plus de 43 villes dans le monde qui auront plus de 10 millions d'habitants. C'est assez impressionnant. Plus de 2/3 seront en Asie. Nous, on suit ça de près et on échange avec pas mal d'entre elles. Pour votre information, on a développé un référentiel des 10 grands challenges de la ville, dans lequel, évidemment, en challenge numéro 8, on a inclus toute la partie Attractive City, la partie tourisme patrimoine, qui fait partie intégrante de l'ADN des villes, mais qui est un des sujets de préoccupation les plus intéressants.
juste l'exemple de Venise, avec, comme vous le savez, cet acte touriste qui a été repoussé maintes fois. Aujourd'hui, Venise est vide, donc à cause du coronavirus. Donc, c'est aussi intéressant de voir l'impact entre tourisme et ville, développement et infrastructure. Voilà, je finirai sur quelques éléments. D'abord, Toyota, qui, on le connaissait comme constructeur, veut maintenant construire des villes et va du coup développer un morceau de ville au Japon. Donc c'est intéressant de voir toutes ces évolutions de métiers qui évoluent aussi. Et les gens changent de business model. Autre cas aussi, Hyundai, qui faisait des voitures, qui se dit bah, maintenant, je vais faire des hélicoptères électriques à destination des milieux urbains. Et là où j'attire votre attention, par rapport aux éditions du CES des années précédentes, c'est que ce n'est plus juste une petite idée avec un prototype qui est présenté. Ici, c'est un écosystème complet qui a été présenté avec Hyundai qui va construire cet hélicoptère. Ça, c'est un. Deux, Uber Elevate, donc Uber, qui va opérer la commercialisation depuis l'app Uber que vous connaissez. Et enfin, la région de San Francisco qui va être partenaire avec Los Angeles pour mettre en place des héliports et permettre ce déplacement de 4 personnes en même temps et d'un pilote à travers la baie. Okay ? Donc les gens viennent au CES maintenant, non plus avec une idée, mais un véritable écosystème complet, et c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus mature, et en tant qu'analyste, nous, on trouve ça assez intéressant. Là, je passerai rapidement sur le fait que Valeran, ça c'est des capteurs qui permettent de monitorer le trafic sur autoroute, qui rend les choses intelligentes, et j'arriverai rapidement sur le bâtiment. Donc, sur la partie hôtelière, c'est effectivement très intéressant. L'idée d'utiliser le BIM, le Building Information Management, beaucoup de boîtes qui étaient présentées effectivement au CES là-dessus, qui permettent de monitorer un immeuble, de monitorer ses coûts, d'anticiper aussi des casses, des problèmes. Voilà. Et on s'en félicite, on voulait quand même le souligner. Netatmo, qui est une start-up française qu'on suit depuis des années, qui a créé un vrai partenariat avec Legrand, puis s'est fait racheter, a développé des systèmes assez intéressants avec Legrand. Donc ça, c'est un cas de réussite, vraiment, de relations start-up grand groupe. Donc on voulait le souligner. D'autres cas de mesures d'optimisation énergétique avec d'autres start-up comme Isox qu'on suit, qui permet d'optimiser le smart metering. Et enfin, la bataille de la maison connectée. Alors là, je vous avoue que nous, ça fait 6-7 ans qu'on est au CES tous les ans. Et comme dans la téléphonie, il y a 10-15 ans, il y avait au début de la maison connectée plein de standards différents. Et c'est pour ça que chez vous, les objets ne communiquent pas entre eux. Ce n'est pas normal. C'est juste que comme au début même de la VHS, chacun avait son système. Et donc, ils ont reproduit à chaque fois la même chose en disant « c'est nous qui allons gagner, c'est nous qui serons le standard ». Ça n'a pas marché. Et enfin, cette année, ils se sont mis d'accord sur un standard. En tout cas, les plus gros, ceux qui sont là. Et ça, c'est plutôt bien parce que nous, on avait des Français hein, qui étaient déjà sur ce standard, Zigbee s'appelle. Et du coup, l'idée, c'est que dans les prochains mois, vous allez enfin pouvoir avoir chez vous plus le monopole d'une maison Google, Amazon, Apple, mais la capacité pour ces objets entre eux d'interagir. C'est aussi important pour éventuellement vos hôtels, se dire que vous aurez, en termes de fournisseurs, la capacité de mélanger les applications et le hardware et qu'il n'y aura plus de monopole non plus. Voilà, je l'évoquais il y a quelques instants, Google avait un immense stand. Alors ce qui est un peu stressant chez eux, c'est qu'au début, ils venaient avec énormément de partenaires hardware, et comme ils en font de plus en plus de hardware, il y a de moins en moins de partenaires hardware qui sont présents, puisqu'ils produisent progressivement, ils reproduisent les produits et ils le font directement. Donc ça, c'est à suivre. Enki de Leroy Merlin était présent, et ça, c'était plutôt intéressant. Bosch aussi, les Allemands se réveillent, ils étaient très en retard sur le sujet, et là, ils se réveillent pas mal sur la maison connectée. Je l'évoquais, voilà, l'alliance Zigbee, qu'il faut vraiment que vous reteniez. Si des gens viennent vous solliciter sur des objets connectés et autres, c'est vraiment le standard qui va marcher au niveau mondial. Et il faut vraiment que les objets soient là-dedans. Somfic est français dedans, vous voyez. Schneider, donc c'est Legrand, donc c'est plutôt bien. Okay. Voilà, et enfin, voilà le bâtiment intelligent. Alors là, on avait quelques trucs qui nous ont fait rigoler, comme la machine à laver, commande Alexa, quand est-ce que c'est prêt, voilà, quand est-ce que je peux récupérer le linge. Donc Alexa est venu un peu partout. Et Ring, donc il y a eu beaucoup de sujets d'infraction. Ring est une boîte qui s'est fait racheter il y a 2 ans par Amazon 1 milliard, un système de sonnette connectée. Et en fait, dans l'offre d'Amazon, aux États-Unis, vous pouviez laisser le livreur Amazon rentrer chez vous et déposer le pli. Bon, il y a eu beaucoup de cambriolages. Donc du coup, ils se sont mis sur le garage. Donc on ouvre la porte du garage, donc il y a moins de goods à voler. Mais c'est quand même un gros sujet. Donc là, il y a maintenant une double authentification. Samsung, alors là, ils avaient un peu fumé. Ils ont lancé un robot qui cuit, enfin un robot
un robot qui permet de faire la cuisine. Donc du bureau, vous partez et il prépare directement les ingrédients. Il sait où ils sont positionnés, ils vont les sélectionner. Et sa capacité à celui-là, on va dire de manière spécifique, sa capacité à squeeze, donc à vraiment mettre la bonne dose de piment dans les aliments que vous consommez. Voilà. Et après, il va remettre les ingrédients sur là où il faut les mettre. Et il va mettre éventuellement la poêle, il va la faire tourner, la malaxer, ainsi de suite. Donc vous avez une sorte de smart chef chez vous, pour ceux qui souhaitent tester l'expérience. Voilà. Voilà. Et puis, il y avait évidemment toute une partie retail. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà visité Amazon Go, le magasin autonome ? Ok. Bon. Pour ceux qui iront à New York ou à Seattle, donc vous rentrez comme dans un métro, vous scannez, et à l'intérieur, vous allez pouvoir choisir n'importe quel produit. Voilà. No lines, no checkouts, no registers. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous suivre dans le magasin. Et en sortant, ils vont vous débiter directement sans passer par la caisse. Il n'y a pas de caisse. Okay ? Donc c'est assez impressionnant. Pourquoi ? Parce que votre œil, il n'est pas habitué à voir des gens rentrer et sortir en courant sans caisse. Et moi, j'ai vu effectivement la première fois à Seattle, dans la boutique, des gens sortir du bureau, prendre des trucs à bouffer et sortir en courant. On aurait cru qu'ils avaient braqué le supermarché, en fait, alors que pas du tout. Et c'est vrai que le game, pour ceux qui iront dans un Amazon Go dans les prochaines semaines, c'est qu'au début, la facture n'apparaît pas tout de suite. Et vous dites « Ah, je l'ai eu !» Et en fait, elle arrive vraiment au bout de 15 minutes. Il y a peut-être un mec, il doit s'appeler Autonome, celui-là, en fait, et il check tout à la main pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà, et donc c'est quand même impressionnant à voir. Même si pour nous, latins, il y a quand même un côté inhumain de voir quasiment personne dans le magasin, de ne pas avoir de discussion, de conseils, voilà. Est-ce que c'est le futur de la relation qu'on veut en Europe ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant à suivre. Voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Vincent. Inutile de vous dire que tous les matins, on était coachés par le Hub Institute et vous ne traversez pas le CES de Las Vegas de la même manière, une fois que vous avez eu leur brief et leur coach. Donc encore, merci beaucoup.